C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlisait pas. On licossait sur licos. On se donnait rancard le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz. Les téléphones n'avaient pas de 4G. C'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. C'était l'époque des connexions pourries. Et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder, ni même Adopte un mec. Du coup pour pécho, on chattait sur Caramel ou sur voila.fr. On avait des pseudos mais pas de photos de profil. Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile. Donc Nono 26, c'est toi. C'est ça, c'est moi. Et toi, t'es bombasse blonde du 7-5. Oui. C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner. Norman, raccroche ton internet. Ni Deezer, ni Spotify, c'était le temps de Winamp. La moyeur Morpheus ou Ilanke, Shiraza ou Kaza. Télécharger un film en 3 semaines sans break. Une fois sur deux, on tombait sur un fake. Je savais pas qu'il y avait cette scène dans Toy Story. C'est hyper bien fait. On aimerait bien y être. À l'époque, on avait des disquettes. On allait sur le net avec Netscape. Pas de Wikipédia. On consultait en carta. Internet, c'était pas très connu. Et en particulier par les profs du Bahut. Pour les exposer, on pouvait copier-coller sans se faire gauler. Norman, c'est incroyable. De 3, vous êtes passé à 20 sur 20. Bah moi, j'aime vraiment tout ce qui est Mésopotamie mérovingienne. C'est vraiment mon délire, quoi. Bah, c'est incroyable. Bravo. Je suis fière de vous, Norman. Ah bah, c'est un truc de ouf, mon gars, sûr. C'était l'époque où on gravait des CD vierges, un peu comme ma verge. Il n'y avait pas YouPorn, X-Video ou X-Hamster. Les sites pour adultes étaient un peu nuls. Il n'y avait que des avec la connexion, le chargement était si long que bien souvent on kiffait sur un chignon. Oh merde, merde, merde. C'était l'époque des téléphones fixes. Au petit déjeuner, où on mangeait des kicks. Il n'y avait même pas eBay. Certains se souviennent de eBazaar. Avant, tout le monde trouvait ça stylé d'avoir une page MySpace. Avec Tom, on était tous amis. Ce mec n'avait qu'une seule photo de lui. Hey Tom ? Ouais ? Attends, j'étais pas prêt là. Oh, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas comme si t'allais garder cette photo toute ta vie. C'est clair. C'était l'époque d'Internet d'avant. Internet d'avant, copain d'avant. Pas de Nyan 4. Avec Hugo, on commençait les vidéos. À l'époque, il n'y avait pas de Nabila. Nous, il y avait des vraies buzz, madame. Il y avait Star Wars, Killa, Frolin, Jack, Kibor 4, Jibbun, qui est bien sûr Kamini. Je n'ai pas de la cité, mais le beat était bon. Je n'ai pas de Paname, mais de Marie Gaumont. Purée, c'était la belle époque, ça, madame. Je me rappelle, il y avait aussi lui, ingénieur informaticien. Et ouais, mon petit gars, on avait 2 heures d'entrée par mois, nous, chez Divertisseur, Falis, on a nous, Howell ou Club Internet. Et ouais, il n'y avait pas de Wi-Fi. Que des modèles 56K, on s'envoyait pas les Snapchat, nous, pas de sexto, nous on montrait le beat. En vrai, allez, chauffe, PV, chauffe.
Attends, tu veux me voir sur scène? Bah y'a pas de soucis. Viens voir mon spectacle Norman sur scène, que je joue actuellement dans toute la France. Et je jouerai aussi à Paris au Palace à partir du 15 octobre 2015. Pour prendre directement ta place, et bah tu cliques sur le petit lien dans la description. Tout simplement. Tu verras, je suis hyper marrant, c'est abusé.